vie et la tête de pont au niveau des communes, au niveau des communes de l'UDI dans la métropole, nous ne lâcherons rien et bien sûr nous resterons tête de pont, non pas pour avoir nos prérogatives, mais pour que bien sûr, lors des prochaines échéances électorales, et en particulier les municipales, nous gagnions des communes. Effectivement, on aborde 2018 avec détermination, et je crois que c'est vraiment le mot-clé qu'il faut qu'on utilise, détermination, pour utiliser cette année pour continuer à agir, pour continuer à proposer aussi, et également et surtout pour reconstruire notre famille politique, la redynamiser, et repartir sur un nouveau projet pour les européennes. Jean-Christophe en parlera tout à l'heure. Nous sommes d'accord avec 95% de ce qu'il raconte sur l'Europe. Dans le discours d'Athènes, dans le discours de la Sorbonne, on est d'accord avec 95% de ce qu'il raconte. Mais on dit plus que lui. Et je ne vais pas non plus goûter mon plaisir de dire que c'est le premier président de la République avec qui on est à ce point d'accord sur ce qu'il raconte sur l'Europe. Enfin, il n'y en a pas eu un qui était plus européen que ça. Pardon, on a même soutenu des présidents de la République. Enfin, ça dépend des parcours des uns et des autres. Enfin, Chirac, il a été soutenu par un certain nombre d'entre nous. Sarkozy, il a été soutenu par un certain nombre d'entre nous. Il était nettement moins européen que ne l'est Macron. Soyons honnêtes. Bon. Même si, comme je le disais, je pense qu'il faut aller plus loin que ce qu'il dit. Il faut accepter de fédérer sur des sujets limités ce que nous sommes mieux capables de faire ensemble que ce que nous faisons de façon séparée, de façon inefficace. Une envie de travailler ensemble qui existe toujours, qui a toujours existé à l'UDI, et ça je crois que c'est très important et ça perdure. Une satisfaction aussi d'avoir retrouvé une certaine liberté et avoir retrouvé aussi plus de cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les adhérents ont l'envie, la volonté de construire une UDI cohérente, une UDI plus soudée, pour construire quelque chose qui soit plus agile, plus efficace, plus dans l'action, et qui soit et qui reste une force de proposition. Je pense que vraiment, si on a une échéance à ne pas louper, c'est celle-ci. Il faut que sur les européennes, on soit à fond, parce que c'est un peu l'essence de l'UDI, justement, l'Europe. Et donc, je pense que ces élections, elles nous ressemblent. Bien, je crois qu'il faut garder le cap, il faut garder la ligne, politique. Et je le répète, on aura une crédibilité. Et l'électeur ne se trompe pas, je ne le pense pas. Lorsqu'il a un leader, lorsqu'il a un parti qui est crédible, eh bien, gardons l'espoir. Je pense que nous avons un bon potentiel pour l'avenir. Ma manière de voir les choses, c'est plutôt d'être positif et d'être dans le projet. Je pense qu'on ne va pas ressasser l'élection présidentielle ni les législatives qu'on suivit pendant des années. Hein. Ce n'est pas très pertinent. Donc, se projeter dans l'avenir avec le projet européen et concrètement pour l'UDI, voilà, ce qu'il a proposé, de faire des réunions de travail et d'être force de proposition. Quoi. Voilà, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a des thématiques, par exemple, qui ne sont pas assez développées, comme l'environnement. Voilà, je pense qu'on a aussi des choses à apporter dans ce domaine. On est vraiment une forte cohésion, parce qu'on a des élus qui sont dans différents groupes. Donc maintenant, il faut rassembler tous ces groupes. Et avec tous ces groupes, aux prochaines élections municipales, avec même une extension de la métropole sur le département qui nous augmentera encore plus nos élus, on pourrait à terme avoir la majorité à la métropole de Lyon facilement.